Au total, 10 motos, 125 DT et une Jeep Land Cruiser 4x4 ont été remis au gouverneur de province, Dr. Guy Bandou, accompagné de son vice, Grasson Kwanga Bilolo, par le coordonnateur du programme de développement de 145 territoires, Ephraim Lotété, pour la supervision et le suivi dans l'exécution de ces programmes de développement local à travers tous les territoires que compte le Congo central. À cet effet, le patron du Congo central a exprimé son enthousiasme dans la mise en œuvre de ce projet de 145 territoires dans sa province. La remise de ce matériel roulant dans le cadre de la mise en œuvre ou en tout cas de l'exécution du programme PDL 145 territoires du chef de l'État est une preuve supplémentaire de l'effectivité même de ce programme. Avec ce matériel roulant, nous allons pouvoir, déjà à notre niveau, puis au niveau des administrateurs du territoire, effectuer la supervision et le suivi de l'exécution parfaite du programme du chef de l'État. Les défis qui vont être rencontrés par l'ensemble des provinces sœurs, ça va être des défis d'accessibilité. Au niveau de la communauté, on va dire que le projet est bien accueilli, la sensibilisation est en cours, l'appropriation du projet du chef de l'État auprès des communautés est effective. Maintenant, le défi est plus un défi logistique. Le défi de l'enclavement dans certains territoires ici au Congo central, il y a certains territoires qui sont en retard par rapport à d'autres sur l'effectivité du programme, tout simplement suite aux difficultés d'accès. Notons que ce programme de développement local de 145 territoires à travers toute la République est aussi accompagné par CFEF, la cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles.